Bonjour, je vais parler de Meghan Markle, on va parler de Sophie Wessex. Je fais ça pour comparer le traitement des deux personnes, le traitement dans les médias, n'est-ce pas, notamment autour de leur actualité. Vous savez que quand Meghan a fait quelque chose, on n'hésite pas à lui rappeler ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, critiquer ce qu'elle fait, trouver des fautes, même il n'y en a pas. Donc je lisais un article dernièrement sur le site internet d'un grand magazine français. Il parlait de Sophie Wessex, hein, et il parlait du fait qu'elle était une femme qui travaillait avant d'entrer dans la famille royale. Ils ont fait le topo sur ce qu'elle a fait, où elle est allée faire ses études, ce qu'elle a fait quand elle est sortie. Ils ont expliqué qu'elle a travaillé à la radio pendant 4 ans, puis est allée dans des postes de relations publiques. Elle a travaillé pour d'autres organismes de communication et de médias, pour ensuite créer sa propre firme à elle en 1996. Alors, il nous explique qu'elle a travaillé pendant 5 ans dans cette firme-là et qu'elle a dû abandonner pour se concentrer sur ses engagements royaux. Vous vous rendez compte? Ils ont fait une sorte d'amnésie sur ce qui s'est passé et ce qui a poussé Sophie à abandonner sa soi-disant compagnie de relations publiques. Premièrement, c'était pas la sienne. Vous voyez comment on change d'histoire. Ils ont dit, en fait, qu'elle avait abandonné ce poste après 5 ans parce qu'elle voulait se concentrer sur ses engagements royaux. C'est faux. C'est parce qu'elle a fait une chose terrible. Elle a essayé de vendre l'accès à la famille royale à un futur client qui était en fait un journaliste qui se faisait passer pour un futur client. Et il y a eu ce scandale-là, ce qui fait que la reine a dit stop, tu ne travailles plus, tu te retires et tu te concentres plutôt sur les engagements entre guillemets royaux. Mais en fait, pendant 4 ans, 5 ans, elle n'a rien fait après ce scandale-là. Ce n'est que 5 ans plus tard, quand elle était dans les bonnes grâces de la reine, qu'ils l'ont introduite petit à petit. Donc vous voyez comment on efface tout un pan de l'histoire de Sophie pour que ça paraisse bien. À l'opposé, quand il s'agit de Meghan Markle, on appuie encore sur des endroits de sa vie ou de ses décisions qui sont très simple, pas compliqué, il n'y a rien vraiment de négatif dans ça, mais ils en font quelque chose de négatif. Ils créent toute une machine derrière de négativité, de mensonge pour dépeindre Meghan Markle comme un monstre. Alors que quand il s'agit de Sophie Wessex, qui a fait quelque chose que, sincèrement, je dirais impardonnable quand on est membre de la famille royale, c'est-à-dire essayer de vendre l'accès à la famille royale, mais eux, il n'y a pas de problème, hein. Alors que pour Meghan, qui n'a jamais rien fait de la sorte, on invente des choses, on la dépeint comme quelqu'un de complètement négatif, de toxique, pourtant elle ne l'est pas. Voilà, donc je voulais juste faire ce rapprochement-là avec Sophie parce que j'ai été très étonnée de la façon dont ils ont expliqué qu'elle avait quitté le monde du travail pour aller se concentrer sur ses engagements royaux. En fait, non. Elle a été prise la main dans le sac en essayant d'utiliser ses titres pour faire de l'argent pour sa compagnie, entre guillemets. Et c'est pour ça que, ben, elle a été rappelée à l'ordre, elle a arrêté de travailler. Voilà. Donc vous voyez ici, comme je disais, quand il s'agit de Meghan Markle, on fait tout pour salir sa réputation. Mais quand il s'agit des autres membres de la famille royale, non, 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 on cache des choses, on cache leur passé, ce qu'ils ont fait. Et ça nous donne du Sophie qui a arrêté de travailler pour aller se concentrer sur ses engagements royaux, alors qu'on sait très bien qu'elle était prise dans un scandale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.